Salut tout le monde, c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo. Et non, je vais pas à une fête, je sais même plus ce que c'est, ça n'existe plus les fêtes. C'est juste une coiffure que j'ai reproduite dans la dernière vidéo. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Je vous mettrai le lien aussi en haut et dans la description. Mais bref, dans cette vidéo-ci, on va parler de comment faire pour démêler ses cheveux facilement quand on a les cheveux très emmêlés. Alors ça peut arriver qu'on ait les cheveux très emmêlés, qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper vraiment, qu'on a laissé ses cheveux trop à l'air. Voilà, on les a un petit peu négligés. Comment faire pour limiter les dégâts, pour éviter qu'il y ait trop de casse et repartir du bon pied? Alors je vais vous montrer ce que moi je fais. Je vous ai filmé en fait une situation où j'avais vraiment les cheveux très emmêlés. J'essaie d'éviter ça, mais des fois ça arrive. Et pour ce faire, ce que j'utilise, c'est un vaporisateur avec de l'eau. Ensuite, je vais chercher à utiliser un produit qui va faire que mes cheveux vont glisser en fait. Je sais pas comment vous dire. Que les nœuds vont glisser, qui va faciliter en fait le démêlage en douceur et sans tirer sur les nœuds davantage et donc pour éviter la casse. Et pour ça en fait j'aime bien utiliser des produits comme un masque par exemple. Ça peut être un après-shampoing aussi, ça peut être une huile, notamment là dans la vidéo je vais vous montrer avec une huile. Après peut-être que vous avez remarqué que certains produits démêlent mieux vos cheveux, enfin vous êtes plus à démêler vos cheveux que d'autres. Moi, par exemple, mes cheveux aiment bien les produits qui sont visqueux. Du coup, par exemple, si j'utilise du gel de lin, bah, je vais sentir que le démêlage est vraiment beaucoup plus facile. Donc, si vous ne savez pas encore quels produits sont les mieux pour vous aider à démêler vos cheveux, je vous conseille de tester ces produits-là, donc les produits un peu gélatineux. Mais bon, dans cette vidéo-là, j'ai utilisé un mélange d'huile parce que je voulais aussi en profiter pour faire mon pré-pou parce que j'allais laver mes cheveux après. Pré-pou, c'est bain d'huile. Après, pour démêler mes cheveux, je vais utiliser mes doigts, mais je vais aussi utiliser un peigne ou une brosse pour vraiment être sûre de bien me débarrasser de tous les nœuds. Ensuite, je garde à côté de moi des ciseaux parce qu'au cas où il y a des nœuds qui sont récalcitrants et que vous ne pouvez pas défaire, bah là, il n'y aura plus d'autre solution que de les couper. C'est mieux de couper que de les arracher parce que ça va vous faire des fourches et ça va être encore plus de dégâts. Ensuite, ça dépend des gens, mais si vous avez beaucoup de cheveux ou si vous voulez faciliter votre démêlage, vous pouvez utiliser aussi des pinces pour faire des sections. Donc, ce que je commence à faire, c'est faire mes sections. Je vais essayer de diviser mes cheveux sans trop tirer sur les nœuds que je rencontre. Si j'y arrive pas, je peux vaporiser un petit peu mes cheveux pour faciliter la séparation. Je divise mes cheveux en plusieurs parties. J'aime bien faire peut-être 6 parties pour être sûre de bien démêler mes cheveux, de faciliter aussi le processus. Ensuite, après avoir fait mes sections, c'est là où je vais vaporiser mes cheveux avec de l'eau. Et l'eau va m'aider en fait à ce qu'ils soient plus malléables et disciplinés. Ça va me préparer à accueillir mon produit qui va glisser entre mes nœuds. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mon produit. Donc là, je vais utiliser mon huile. J'hésite pas à en mettre beaucoup. Quand j'ai appliqué mon produit, je vais pouvoir commencer à démêler mes cheveux. Et ça, je le fais en deux temps. Parce que comme j'ai beaucoup de nœuds, il faut y aller en douceur. Donc je commence avec mes doigts d'abord pour bien sentir les nœuds. Pour les démêler délicatement avec mes doigts, un par un. Pour bien les sentir, couper s'il y a besoin. J'enlève aussi au passage les cheveux morts et vous pouvez voir directement qu'ils sont plus détendus. On aurait pu penser que j'aurais du mal à les démêler, mais avoir appliqué mon eau et mon huile, ça a bien aidé. Voilà, faut bien prendre son temps pour démêler, faut pas trop se précipiter et profiter du fait qu'on puisse sentir les nœuds parce qu'après avec la brosse ou le peigne, ça va pas être le cas. C'est là où on peut arracher nos cheveux. Donc une fois que c'est fini avec les doigts, je vais démêler avec un peigne. Et donc voilà, dès que je trouve un nœud que je peux pas défaire, je coupe. Si je peux le défaire,
je défais. Même s'il faut enlever les cheveux un par un du nœud, il faut le faire. On sauve tous les cheveux qu'on peut sauver. Parfois le nœud il peut paraître gros comme ça, mais en fait il peut être défait. Et c'est tout pour le démêlage, mais là c'est la partie sauvetage quand vraiment les cheveux sont déjà très emmêlés et qu'il n'y a plus d'autre solution. Maintenant sur le long terme, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter cette situation là? Si vos cheveux sont facilement emmêlés, ce que vous pouvez faire c'est vous coiffer plus souvent avec des coiffures protectrices par exemple. Comme ça les cheveux ne sont pas à l'air, il y aura moins de risques de friction qui s'entortillent entre eux. Mais avant ça, j'oublie, bien sûr, il faut bien démêler ses cheveux régulièrement. Parce que plus on laisse les nœuds comme ça, et plus il y aura de nœuds. Une autre chose aussi, c'est qu'il faut faire attention aux pointes. Parce que c'est vraiment là où il y a le plus de problèmes. C'est la partie la plus vieille de vos cheveux. C'est la partie donc qui est susceptible d'être plus abîmée. C'est là où vous allez beaucoup trouver de fourches, de nœuds qui se forment sur le cheveu lui-même. Donc quand vous manipulez vos cheveux, faites encore plus attention à vos pointes. C'est aussi bien de régulièrement regarder si vous avez des fourches ou des nœuds. Et de couper si vous avez des fourches. Vous n'êtes pas obligé de tout couper. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous voyez une fourche, vous coupez juste la fourche du cheveu en question. Ça permet d'éviter de couper toutes les pointes s'il n'y a pas besoin. Alors moi, je sais que j'ai tendance à avoir des nœuds facilement, donc ce que je fais, en fait, ce que j'évite, c'est d'avoir les cheveux lâchés trop longtemps. Même les cheveux lâchés tout court, les wash and go, les twist out, les braid out, les puffs. Et pourtant, c'est des coiffures que j'aime bien, mais malheureusement, quand je fais ça, je sais qu'après, je vais avoir des problèmes parce que je vais avoir des nœuds. Mes cheveux vont shrinker, vont s'emmêler entre eux. Donc voilà, c'est vraiment en fait le shrinkage qui fait que mes cheveux vont s'emmêler entre eux et qui vont faire que ça va faire des nœuds. Donc toutes les coiffures qui sont propices au shrinkage, je vais éviter. J'essaie de bien démêler mes cheveux aussi. Quand j'utilisais juste mes doigts, j'avais tout le temps des nœuds juste après et je comprenais pas. Donc ça rendait le coiffage et la manipulation encore plus difficile. Donc maintenant avec le peigne et la brosse, j'ai plus autant de problèmes. Et bien sûr, comme vous savez aussi, j'utilise mes bonnets en satin pour dormir. Et voilà, bah quand je m'allonge aussi pour éviter les frictions. Voilà, ça permet de préserver encore plus les pointes et donc d'éviter des nœuds et plus de casse. Donc si vous cherchez le vôtre, allez tout de suite sur chrissifro.fr, vous avez plein de modèles, il y a toutes les couleurs que vous voulez, donc vous allez forcément trouver votre bonheur dessus. Et vous avez aussi les bandeaux pour la journée, hein. Voilà, je vous laisse aller voir. Essayez aussi de garder vos cheveux hydratés, ça va permettre aux cheveux de glisser entre eux, de former moins de nœuds, d'être plus facile à manipuler. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est chrissifro-. Vous pouvez aimer la vidéo, commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine vidéo. Salut !